Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 63e de Pokémon. 63e épisode, à chaque fois j'oublie de le dire, c'est bête. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah non, 63e épisode de Pokémon, version cristal liquide. J'espère que vous allez bien et je vois que la série en attire plus d'un. Et je suis très très content que ça se passe comme ça. Ça me fait plaisir, ça me fait zizir. Alors, un petit truc aussi, je sais pas si je l'ai dit la dernière fois. Mince, j'ai coupé le son. C'est que, en fait, c'est fait exprès qu'il n'y ait plus d'expérience gagnée. C'est parce que c'est la team Nexus qui a, en fait, avec les, vous savez, les petites machines, à neutraliser l'expérience. Mais bon, c'est tout à fait normal, en fait. Voilà, c'est juste que j'avais pas lu. Ça, on peut pas tomber, c'est bon. Ok, donc alors, ce qu'on va faire, donc on va découvrir cette grotte de cristal, parce que c'était pas la seule, hein, il n'y en avait pas qu'une. Je sens qu'on se rapproche de la fin, je sens, parce que j'ai regardé un petit peu sur YouTube les vidéos sur cette série, et en fait, on se rapproche de la fin. Ah bah tenez, c'est la grotte, c'est la musique de la grotte de mon générique. Sur la version X et Y. J'en ai un petit peu tout hein, pour rien louper. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a un objet, ok. Bah, écoute, de toute façon, là, on va pas avoir de Pokémon. Alors, pour aller là, il faut aller où? Bah, écoutez, je sais pas. On va essayer un peu tout. Peut-être là, là. Ah, il faut que j'arrive sur le truc. Il faut que j'arrive par en bas. Ici, ok, je compris. Ok, j'ai pigé, donc... Donc, on fait comment? Peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Hop là! Alors ça, c'est un objet pour augmenter le taux de critique. Un objet combat. Je crois que c'est tout. Attendez, il y a quoi là-bas? Ah, mais c'était le début. Ok. Alors, on va continuer. C'est pas par là. Ce n'est pas du tout par là. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est par là? Ah mince, j'ai oublié. Je vais rajouter le super repousse. Ah mais le remix est tellement bien. Non, je crois que je l'ai déjà fait ça, hein. Ouais, d'accord. Le remix est tellement bien, c'est pour ça que je l'avais mis dans mon intro. Voilà, c'est là. Enfin, c'est là. Non, j'en sais rien, je dis c'est là, mais... Ah, mais on est dans la grotte de l'Onyx de Cristal, hein, les amis. Je viens d'y repenser. J'y repense. Oh, je suis passé sur le caillou. Écoutez, j'ai envie de prendre l'objet. Je pense pas que ce soit très compliqué. Hop là. J'ai trouvé une baie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, là, par contre? Oh, il y a un autre objet. Oh, Blizzard! Blizzard. Je l'avais pas déjà? Je sais même pas ce que j'ai comme CT en fait. Blizzard, ouais, 14, non? Bon. Ok, bah c'est très cool. Ça correspond à le fait qu'on ait Blizzard dans cette grotte. Do you want to freeze it with an ice Pokémon? Alors, la cascade semble être pouvoir... Enfin, on peut la geler. Est-ce que vous voulez la geler avec un Pokémon de glace? Punaise, j'ai pas de Pokémon de glace, forcément. Oh non, il va falloir que je capture un Pokémon, les amis, j'en peux plus. Mais je crois que j'ai pas le choix. Hein. I think that I don't have the choice. To have an ice Pokémon. Ok, bon, un Pokémon glace avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Je dirais pas, hein. Bah, je vais devoir sortir, tout simplement. Je pense, hein, à moins qu'il y ait un autre moyen, mais ça m'étonnerait. Pokémon glace, qu'est-ce que j'ai quoi? Ah, j'ai l'eau classe. Non, est-ce que je l'ai? Si, je crois que je l'ai, l'eau classe. Me semble bien l'avoir.
Ah mais c'est sûr que j'ai un Pokémon glace. C'est sûr et même certain. Bon écoutez, ça va être compact. Corde sortie. Attendez, c'était ma dernière ou j'en avais 11? Assurez-moi, dites-moi que j'en avais 11. Ouais, c'est bon. Donc, bah écoutez, on va la geler avec un Pokémon glace. Ah non, mais il n'y a pas de PC ici. Fichu ville. Soi-disant, ils sont à la pointe de la technologie. J'avais lu ça sur le panneau la dernière fois. N'importe quoi. Faut la ville du futur ou je sais pas quoi. Donc alors. Bah j'ai su. Non, bah non. Il est haut, bien sûr. Attendez. Et non, Suicune, il est haut. Oh là 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 là, comment je vais faire? Si ça se trouve, on trouve des Lamantines, des trucs comme ça, bon, dans la grotte. Donc ça va être compliqué, je vais virer un Pokémon. Je vais virer Mangrif. Enfin, provisoirement. Mais je vais quand même vérifier, attendez. Non, 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 non. Si! Si, si, si! Si, si, si! Hé. Ah non, mais il y avait Stalgamin aussi, je suis vraiment un idiot. Hein. Vous êtes là, vous êtes... Ah, mais il y a Stalgamin! Ah, mais il y a Aliputi aussi, là! Qu'est-ce que tu fais, Galius? Alors, si l'écran est sombre, c'est pas ma faute, hein. C'est simplement parce que... Parce qu'il est sombre. Hein. Parce que c'est sombre dans le jeu en fait, parce que c'est la nuit. Je tourne cet épisode, il est 19h. Donc là, à 19h, bah, il fait nuit, hein, en plein hiver. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais voilà, je vous ai prouvé qu'il était 19h. Non, je voulais mettre le vélo. J'ai pas réussi. C'est par là. Est-ce que j'ai encore la max repousse? Je sais plus. Ouais, c'est bon, je le remets. Allez, dégage. Oh non! Quoi, un intrus? Je vais en avertir le prof. Le bro. Le boss. Le boss de boss. 81! Bah, écoutez, les amis, nous allons prendre la fuite. Allez, séisme. Allez, mais le chaos, il est pas bon, Electek, il pue. Il est nul. Oh. Tu as raté, mon petit. Ah mince, pourquoi j'ai fait ça? Je suis désolé. Je me suis trompé. Bon, il suffit juste que je l'enlève un peu plus que la normale. Ouais, ça va suffire pour le mettre KO, je pense. Oh, punaise, je me suis pris un statique. Non, c'est bon. Allez, tu rates pas, tu n'es pas paralysé. C'est bon. Et voilà. Sneasel. Oh, j'avais appelé Gros Bisou. Qui c'est qui me l'avait donné celui-là? Non, c'est moi, c'est mon Pokémon. D'accord, Gros Bisou. En même temps, on a fait du chemin. C'est vrai que je me souviens pas de tous les Pokémon que j'ai eus, mais je sais que bah, 63e épisode, en plus c'est pas des épisodes de 10 minutes, quoi, c'est vraiment des épisodes de 20 à 1 heure. Bon, c'est rare, mais à 45 minutes, on va dire. Donc toi tu es ténèbres et glace. Punaise, tu m'embêtes. Hein. Tu m'embêtes beaucoup. Ténèbres et glace. T'as pas une attaque combat toi, tu me sauverais la vie. Tu pues. Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai quand même un nez tartare, je pense que c'est le mieux qui va résister.
je pensais pas qu'il allait me faire tranche. Je vais faire cascade, je pense que ça va pas lui faire du bien. Bon, ça me fait... Ah, ça me baisse ma vitesse par contre. Mais bon, visiblement j'attaquais déjà après lui. Donc ça changera rien. Je pense que cascade ça peut lui faire bien mal, même si c'est pas efficace, super efficace. Voilà. En fait, il a que des attaques pourries, son farfuré. C'est pas normalement on lui met une attaque ténèbre, griffe ombre. T'as des griffes ombres, non, c'est pas ténèbre. Qu'est-ce qu'il y a comme attaque ténèbre? Tranche nuit, mais ça n'existe pas dans cette version. Il aurait pu avoir de meilleures attaques. Bon, et toi, bah écoute, Ice Punch, point glace. Ça, c'est pas efficace. Si, c'est efficace. C'est efficace. Ouais, allez, gèle-le. Ah non. Ah, ça par contre c'est très très efficace. Non, tu vas résister, t'es un bon. Voilà, au revoir. Ouais. Je me suis fait balayer. Ok, donc. Ouais. Est-ce qu'il bouge lui? Juste pour... Non, il bouge pas, super. Allez, putain, tu m'as pas vu. Voilà. Je sais que c'était un raccourci. Donc, tac, 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 tac. Allez, on perd pas de temps, là. Tac, tac, tac. Là, on se met ici. Tac, tac, tac. On prend la passerelle. Tac, on arrive ici. On passe à gauche. On arrive... Là, on évite ce dresseur à la noix en passant par là et on va dans l'échelle. Et là, on gèle la cascade. Bon, j'espère qu'il faut pas laser glace. Je pense pas. Oh! Oh! Je sais pas si je peux. En fait, faudrait que j'aille de l'autre côté. Je sais pas par où c'est. Je crois que là-bas il y avait rien. Hein. D'accord. Ouais, d'accord. Donc on va revenir. Je crois savoir où c'est. On va passer par là. Depuis que j'ai la manette, c'est mieux pour jouer. Je suis d'accord, c'est mieux. Mais c'est pas. Passer par là? Ah non, je peux pas passer par là. C'est plus dur pour. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, hein, tout simplement. Parce que j'ai jamais joué avec une manette, hein, comme j'ai. Enfin, je n'ai pas la PlayStation, j'ai pas toutes ces consoles là. Donc. Donc je n'ai pas du tout l'habitude des manettes. C'est pour ça que je me prends tous les murs. Hein. Ah non, mais je suis déjà passé par là. Ah, il y avait vraiment que dalle. Et là-bas, c'est l'entrée, je crois. Ouais, c'est l'entrée. Ah bah mince, c'est où alors? Non, là, il y avait rien, on a dit. Ah, peut-être que... Attendez. Bon, je suis obligé de repasser par là. Lui, je l'évite. Là, tac, 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 hop là, hop là, hop, zut, par là, par là. Ah, 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 et zut, il faudrait que je tape où là? Ah si, je sais, vous allez voir. Hop, hop, et hop.
toi, est-ce qu'on peut t'éviter? Non, saleté de sbire! Cet endroit me fait peur, c'est très gros, c'est grand et il y a de l'écho. Mais ça ne me fait pas aussi peur que tu le penses. C'est ça, Nexus. Donc comme certains, donc là, il y a pas mal de gens qui me suivent et qui s'y connaissent en catch, voilà, c'est ça. Et en fait, on m'a reprécisé, même si on me l'avait déjà dit, mais bon, que la team Nexus, c'est un clin d'œil à une team catch. Enfin, une team de catch qui s'appelle Nexus, si je dis pas de bêtises. Je suis pas du tout calé dans ça, mais... Mais je crois que c'est ça que vous m'avez dit. Et c'est vrai. Mais je l'avais déjà dit, il me semble. C'était pas la première fois. Et il me fait mal, quand même, avec Crunch. Avec ma chouille. En plus, je me suis même pas soigné comme un idiot. Amener notre coco. Ah mais non, pourquoi j'ai amené lui? Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon j'aurais peut-être... Enfin j'aurais pas pu anticiper et mettre amener ectoplasma, hein, mais ça va vraiment enlever ça. Quoi? Coup critique? Même pas? Ah oh, oui ça fait mal quand même. Bon là de toute façon j'ai deux tours parce que... Non, enfin non j'ai un tour parce qu'il est pas très rapide. On va faire giga sensu déjà pour récupérer un peu de PV. Pas mal, pas mal. Là, il se recharge. Le truc, c'est que je pense pas attaquer avant lui parce que notre coco est un Pokémon assez lent. Sauf sous le soleil où il y a... Ah bah si, c'est bon. Oh, tant mieux. Soleil, il y avait la chlorophylle. Ah non! Ah ouais, non mais là... Là, il n'y a plus aucune chance, les amis, que j'attaque avant. Hein. Là, il m'a réduit mes chances à néant. En plus, avec la tempête de sable. Quel méchant. Ah, mais c'est bien, il se soigne. Punaise. Il a... Ah ouais, bah ouais, niveau 82, il a plus de 200 PV maintenant. Ouais, c'est clair que moi aussi, c'est pareil. Hyper potion, ça restaure pas tout. Ah, c'est déjà bien. Bon bah écoute. Comme tu veux. Y'a pas de soucis. Sauf que moi, je suis là pour te mettre KO, hein, pas pour te baisser tes stats. Alors, Jinx, c'est les poutous, si je dis pas de bêtises, donc horreur, à toi de jouer. Voilà. Avec sa tempête, il va nous embêter. Alors, pour toi, ça va être une petite balle ombre. Bon, je pense pas que tu sois KO. Ouais, voilà, forcément. Mais ta défense spéciale baisse, c'est très très bien. Bon, pff. Tu peux faire autant de requiem que tu veux dans tous les cas, même si tu te soignes. Deux fois, trois fois, de toute façon. Non, mais de toute façon, tu te soignes une fois, au prochain coup, t'es KO parce que. Parce que t'as plus de défense spéciale. Tu sais, avec la tempête. Bon bah c'est bon. On est ok. You got me, tu m'as eu. Umph. Non, moi c'est Nobby, c'est pas un. Moi j'ai vraiment de la chance d'avoir eu surf. D'avoir surf. Oh. Non, 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 non. Et vous pensez que il faut monter là ou on va dans la grotte? Alors moi ce que je vous propose, ça va être très simple, c'est que... Je vais prendre la cascade. Et ensuite, je redescends. Oh, Loclas! Non, en fait, c'est pas Loclas maintenant. Il a toujours été là. C'est pour ça que je me suis dans ma tête. Mais j'ai Loclas. Ok, il y a deux grottes.
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et oui, je sais, c'est triste. Mais c'est parce que j'ai un repas avec des potes, on va manger des gaufres. Non, mais c'est la vérité en plus. Donc on va se laisser là, on se retrouve donc demain. Non, pas demain. On se retrouve la prochaine fois pour le 64e épisode. Et puis vous verrez si je me rends au nord, enfin dans la grotte du haut ou dans la grotte du bas. En tout cas, la musique me donne du peps, je sais pas pour vous. Mais je pense que vous serez content de voir le prochain épisode la prochaine fois. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée. Et puis à la prochaine, c'était Gaius!